Que le nom de l'Éternel, notre Dieu, soit béni. Bon dimanche chez vous. Nous nous retrouvons dans les lieux célestes en Christ, là où nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Parce qu'ici, sur la terre, il y a l'atmosphère du péché. Mais quand nous revenons avec ce que nous recevons du grand Saint-Esprit, Jésus-Christ lui-même, et nous reflétons les ciels, nous avons en nous les ciels et nous marchons avec les ciels, en nous sur la terre. Ouais, c'est pourquoi nous sommes dans la joie quand nous nous retrouvons ici, parce que cette joie n'est pas une joie terrestre, parce que tout ce qui est terre dépend de l'élément temps. Et nous savons que non, le temps a commencé et le temps prendra fin afin que ceux qui sont nés de Dieu, les attributs de Dieu retournent là où ils étaient avant la fondation du monde, dans la pensée éternelle de Dieu. Et ceux qui ont été là-bas, et tous retournent toujours là. Par quel moyen? Le seul moyen, c'est la parole. Et cette parole est Dieu. C'est pourquoi nous avons vu que Jean nous a dit ici qu'au commencement était la parole. Alors, le saint prophète de Dieu vient nous dire que non, la parole, c'est une pensée exprimée. Donc, cette pensée, c'est un attribut qui était en Dieu. Et quand il a exprimé cette pensée, c'est cette parole. C'est pourquoi la Bible dit, et au commencement, Dieu dit, Dieu parle. L'Éternel dit que la lumière soit et la lumière fit. Vous comprenez? Et ceux qui sont de Dieu, ils aiment la parole. Ils retournent à la parole. Ils s'identifient dans la parole. Vous comprenez? Ils aiment toujours chercher à connaître quelque chose, à recevoir quelque chose dans la parole. C'est ce qui fait en sorte que non, qu'ils puissent prendre position en Christ, enfin, que quand le temps viendra pour lui, soit par la mort, je ne sais pas, une maladie peut vous emporter, l'accident, ainsi de suite. Vous allez directement vous retrouver là où vous étiez. Si vous comprenez. Parce que la mort, c'est juste comme un rideau. C'est comme une voiture qui vous transporte. Comme un train. C'est comme ça que Frère Branham nous a dit. Comme un avion qui peut vous déplacer d'un continent à l'autre. Cela veut dire le rideau qui nous empêche. Donc, cela veut dire ces voiles qui nous empêche de ne pas voir de l'autre côté. Vous comprenez? Alors que lui, il a goûté, c'est là. Dieu lui a permis, il a traversé ce fleuve de verre. Alléluia. Et il est allé jusque là où les saints étaient. Donc, ils sont. Et il a vu déjà là où il devait aller parce qu'il a servi Dieu fidèlement. Comme le prophète de Dieu et l'apôtre de Dieu, Jean-Baptiste Wamwengei. C'est vous voyez, il n'a pas voulu faire la compromis. Et quand il a compris certaines choses, il a décidé de dire à Dieu, Seigneur, je ne veux plus continuer. Alors qu'il y avait des prophéties qui étaient là-bas avec des éloges. Non, reste avec nous. Il a dit, non, je n'en peux plus. Il faisait ses prières de repentance jusqu'à tel point qu'il était retourné à la maison. Voilà comment est-ce que les saints retournent. Ils n'aiment pas faire la compromis. Quand ils voient que non, il est en train de s'éloigner, il demande à Dieu d'aller. Vous comprenez? Et nous nous sommes encore là par sa grâce. Parler de ces choses glorieuses comme nous a été annoncé par le serviteur, son serviteur, les prophètes. Parce que la parole ne vient qu'aux prophètes. Amos 3, 6 à 7. Personne ne peut changer ce que Dieu a dit. Quand nous nous parlons des prophètes, nous ne parlons pas des prophétiseurs, c'est que nous les appelons des voyants. Un voyant n'est pas un prophète majeur qui vient avec l'insigne de l'Éternel. Et remarquez parmi les voyants, donc vous allez voir que non, ce sont des gens qui interprètent mal ces saintes écritures parce qu'ils ne retournent pas à la Bible, ils parlent des choses de Dieu en prenant le nom de Jésus comme un moyen, comme un outil de faire leur business, d'attirer les gens vers eux, avec leur manière, comme un voyant, de parler des choses aux gens, ainsi de suite. Nous allons parler de ça l'autre fois, la prochaine fois, quand l'Éternel, notre Dieu, nous accordera le temps. Si
Je suis tarde si les bombes nucléaires qui sont déjà à la portée, donc à la disposition, vous comprenez, donc cela veut dire d'un bout à l'autre du monde, d'un moment à l'autre, vous pouvez voir que non, ces bombes de destruction massive vont détruire ce monde ici. Vous comprenez? Et donc, c'est à ce moment-là que non, chacun de nous va rendre compte de l'importance de cette parole, parce que ce qui entre en vous, c'est ce qui peut faire en sorte que non, vous puissiez renaître. Voilà. Voyez, donc avec ça, parce que en fait, votre récepteur, c'est ce que nous avons dit l'autre fois, votre récepteur en vous vous attirera que de ce que vous étiez en train de faire ici. Si ce que vous êtes en train de faire ici, c'était contraire à la parole et vous ne voulez pas vous repentir conformément à ce qui nous est révélé aujourd'hui, ce qui vous attirera, c'est ce qui vous a influencé quand vous étiez sur la terre. Et ça sera bon, séjour des morts, chez le diable, dans son royaume, dans son paradis. C'est ce qui fait en sorte que non, quand tu mourras, le réceptacle qui te tirera, c'est les œuvres que tu faisais ici. Oui, nous allons parler de ça quand on parle de ces choses ici. Et vous allez remarquer que non, si vous étiez abandonné à la parole de Dieu, quelles que soient des fautes et des erreurs, comme le diable vient toujours nous accuser afin de nous affaiblir, pour ne pas fixer nos vies vis-à-vis de la parole de Dieu, qui est Dieu, ouais. Donc vous allez voir que non, donc, si vous vivez selon la parole, et c'est cette parole-là, donc c'est le réceptacle de la parole qui vous tirera vers qui? Vers Christ. Comme nous avons vu l'exemple du prophète de Dieu. Vous comprenez? Donc voilà. Nous lisons dans les livres de Lévitique, chapitre 23, versets 23-24. Nous lisons. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le septième mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son de la trompette et une sainte convocation. Je vais lire même à 25, verset 25. Vous ne ferez aucune œuvre servile, et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Que le nom de l'Éternel notre Dieu soit béni, que le Seigneur Jésus-Christ notre Dieu ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole, comme nous allons continuer jusqu'à tel point que nous allons chuter et puis terminer. Seigneur, toi le grand Saint-Esprit, viens révéler ta parole comme tu nous as révélé au moyen de ton Saint-Prophète, car il fait tellement sombre, l'obscurité règne, la seule lumière, c'est toi, Christ. Nous te l'avons ici demandé au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Nous voici ici. Nous avons lu le livre de Lévitique, chapitre 23. Et nous avons lu le verset 23 jusqu'au verset 25. Ici, en lisant, vous allez comprendre que non, ça nous parle sur les trompettes, comme Moïse, et comme Moïse l'en a dit ici. L'Éternel a parlé à son serviteur Moïse, il a dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le septième mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos publié au son des trompettes. Donc, ça veut dire pas une seule trompette, mais plusieurs trompettes. Vous comprenez? Et nous avons compris que non, tous ces trompettes-là, ils étaient sonnés ensemble, à la fois, toute une fois. Donc, quand les sceaux ont été ouverts, du premier saut, deuxième, troisième, quatrième, cinquième saut et sixième saut. Donc, dans la brèche du sixième saut au septième saut, avant que le septième saut puisse être
divulguer ou soit déceler toutes les sept trompettes ont été sonnées au même moment. Vous comprenez? Et toutes ces trompettes ici, si nous avons, nous pouvons dire de la manière que nous avons compris par les saints prophètes, c'était pour l'Israël. Si vous comprenez, donc ce n'était pas pour les gens des nations. Mais en parlant de cela, nous allons comprendre quelque chose qui est très important de la manière que Dieu fait ces choses. Parce que c'est un Dieu inhabituel. Quand on s'habitue avec Dieu, c'est la mort. C'est la séparation éternelle. Donc, chaque jour, cette Bible ici devient un manuel nouvel pour nous. La Bible devient toujours nouvelle. Pourquoi? Parce que quand les sceaux ont été ouverts, le sceau a rendu cette Bible nouvelle parce que ce sceau-là, c'était la Bible scellée. Tout ce qui n'a pas été révélé, divulgué dans la Bible, les sceaux nous ont révélé. Vous comprenez? Donc, voilà un peu l'importance des sceaux si nous insistons en disant que non, nous devons recevoir tout un chacun de nous ce livre de rédemption. Si vous comprenez? Et ce n'est pas un autre livre si ce n'est que. Ce livre dont lui, l'ange puissant, quand il a quitté le ciel dans l'Apocalypse 10, et il est descendu avec ses livres ouverts, comme les Écritures le disent. Ouais. Maintenant, nous avons compris que non, Abraham, notre père, dont nous avons parlé autrefois, pourquoi nous sommes retournés encore à Abraham, c'est pour que nous puissions comprendre que comment est-ce que Dieu se montre. Parce que si Dieu a dit à Abraham que toutes les nations seront bénies qu'en toi, vous comprenez? Je ferai de toi une grande nation. C'était qui? C'est Abraham. Donc ça veut dire, auparavant, le nom donné de ses pères, c'était Abraham. Il n'y avait pas Ham, H-A-M, qui est comme Elohim. Vous comprenez? Le Dieu Tout-Puissant. Donc Dieu, toujours quand ce fils obéit à lui. Ce fils marche selon sa parole. Selon son ainsi dit, Dieu, il prend une partie de lui, comme l'apôtre Paul le dit là-bas. Tous nous formons qu'un seul corps, et le corps, c'est le corps de Christ. Nous sommes des parties dans le corps de Jésus-Christ. C'est pourquoi quand la haine, la jalousie et toutes ces choses de parlant mal les uns les autres règnent au milieu des enfants de Dieu, sache déjà que non, cette église est déjà tombée. Sache que vous êtes déjà éloigné. Ce que vous faites là, ce n'est que du formalisme. Vous comprenez? Parce que quand là où la vie de Dieu règne, là où le Saint-Esprit règne, la paix, l'amour, la douceur, la patience, la fidélité, la tempérance, tous ces fruits du Saint-Esprit dans l'arbre de vie qui est Christ, a ramené, a restauré cela dans son Église. Vous comprenez? Et nous avons vu qu'Abraham a obéi à Dieu. Et Dieu lui a donné une partie de lui. Elohim, le Dieu qui existe par lui-même, qui était descendu dans un corps théophanie. Abraham qui obéissait à la parole, Dieu a pris une partie de lui, il a donné ça à Abraham. Lui, qui était là, qui l'a reconnu Elohim quand il a appelé avec ce nom-là changé, qui était Abraham, Dieu Tout-Puissant a changé ce nom, l'a appelé Abraham. Il a donné une partie de lui. Vous comprenez? Donc c'est comme une nouvelle naissance, changer d'un état à un autre état. Vous comprenez? C'est ce que Dieu a fait, a accompli à Abraham, notre père. Et remarquez ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit dans Luc 17, la promesse bénie de notre jour. Nous ne pouvons pas rester branchés sur les promesses qui ne sont pas les nôtres. Vous comprenez? Parce que je vous ai dit le dimanche passé ici que si Jésus était venu avec le message de Noé, le message du temps de Noé, ça allait être contraire aux Saintes Écritures si tout ce que les saints prophètes ont annoncé concernant sa venue. Vous comprenez? Si Jésus était venu avec le message de Moïse, ça allait être vraiment, je ne sais pas comment l'interpréter. Vous comprenez? Donc, ça allait être
est compliqué. Donc, le tableau sera tout brouillé. Donc, voilà. Mais Jésus est venu conformément à ce qui était promis. Moïse est venu conformément à ce qui était promis. Élie est venu. Et tous les prophètes de Dieu, ils sont venus et ils ont annoncé la venue de Juste. Et leur venue, l'Éternel l'en a annoncé d'avance, comme il était là avec Abraham. Et quand Jésus était là, dans Luc 17, nous avons lu du verset 20 jusqu'au verset 30, il a donné des exemples. L'exemple, il a donné le temps de Sodome et Gomorrhe, c'est le temps d'Abraham que nous parlons ici. Là, il en sera de même comme au jour de Sodome et Gomorrhe. Et un enfant de Dieu, un chrétien, doit vivre en observant la parole chaque jour. Quand nous prêchons cette parole, tant que nous avons le modèle de la Bible, nous ne venons pas ici pour présenter une organisation. Que font les organisations des églises formalistes? Ils ne veulent pas que les gens puissent écouter les autres. Ils vous disent, et ils sont deux. Et ils sont deux. Nous, nous sommes deux. Non. Non, non. Dans le corps du Christ, il n'y a pas deux. Tous les noms que vous voyez, les gens ont donné aux églises, ils étaient sortis des bouches des hommes. Ce n'était pas la bouche. C'est pourquoi nous les appelons des dénominations. Quelque chose fait des mains d'hommes. Là où Dieu n'habite pas. Dieu peut habiter dans cet endroit si les saints se réunissent avec son nom, la parole. Vous comprenez? Quand il vient avec sa vie qui est le sang de Jésus-Christ, cette parole. Et Abraham, comme il marchait avec Dieu, il a obéi à ce que Dieu lui a dit. Nous avons vu que Dieu est venu et Jésus nous a donné l'exemple du temps d'Abraham. Qu'est-ce qui s'était passé? Nous avons vu qu'avant que les deux anges puissent descendre là-bas pour détruire Sodome, lui, Elohim, il était là avec Abraham. Qu'est-ce qui s'était passé? Nous avons vu que le signe du Fils de l'homme, lui, Elohim, il a dit quoi? Il a discerné les pensées de Sarah, la femme d'Abraham, qui disait que non, moi, qui ai une vieille femme, et mon mari, qui est un vieux homme, nous n'avons même pas de désir d'être ensemble. Comment est-ce que nous pouvons, je peux avoir un enfant? Vous comprenez? Alors que Dieu, quand il a appelé Abraham, il a donné sa partie de lui. C'est la nouvelle naissance. Ça veut dire que vous pouvez avoir quelqu'un physiquement comme ça, un vieux, mais intérieurement, il est restauré comme un enfant de 15 ans à 22 ans. Vous comprenez? Comme un garçon de 15 ans, 22 ans. Vous comprenez cela? Sarah qui était Saraï, maintenant l'Éternel l'a appelée Sarah. Donc ça veut dire il a changé. Qui l'a changé? C'est Elohim. Il a changé Sarah qui était une stérile, une femme stérile, à une femme fertile qui pouvait donner des vies. Vous comprenez cela? Donc, c'est la raison pour laquelle que Jésus a donné l'exemple pour que les gens puissent comprendre ce qui va se passer dans ce temps ici, conformément aux Écritures. Vous comprenez? Donc, il en sera de même au jour où le Fils de l'homme paraîtra. Et nous avons vu ce qui s'est passé aujourd'hui, mais les gens, ils ont essayé de nier cela. Mais nous venons ici avec les Écritures afin que nous prenons les types de la Bible et ce qui s'est passé, nous prenons l'Israël et l'Église, afin que les gens puissent comprendre comment est-ce que la marche est, afin qu'ils puissent quitter toutes ces organisations qui ont borné les gens par des signes en disant que non, si vous parlez en langue, c'est l'évidence du Saint-Esprit. Si vous faites ceci, non. L'évidence du Saint-Esprit, c'est de recevoir la connaissance de qui est Christ. La connaissance de qui est Christ ne peut venir de rien d'autre que de la révélation du Seigneur Jésus-Christ, comme il a parlé dans Apocalypse chapitre 1. Vous voyez? Donc, en cela, nous avons avancé un peu plus vite parce que nous avons pris l'exemple d'Abraham pour que nous puissions comprendre ce qui s'est passé. Si nous prenons, par exemple, le verset que nous avons préparé ensemble avec vous ici, voyez, c'est que je n'ai pas lu. Laisse-moi lire ça d'abord, afin que nous puissions continuer et vous lire, parce que je devais lire Lévitique chapitre 23 et lire Ésaïe chapitre 18
Je lis ça. Je commence au verset 1 jusqu'au verset 3. Terre, où retentit cliquetis de Zar et au-delà du fleuve de l'Éthiopie, toi qui envoies sur mer des messagers, dans des navires de joug voyant à la surface des eaux. Allez, messager rapide, vers la nation forte et vigoureuse, vers ce peuple redoutable depuis qu'il existe, une nation puissante qui écrase tout, et dont le pays est coupé par de fleuves. Vous tous, habitants du monde, habitants de la terre, voyez la bannière qui se dresse sur les montagnes. Écoutez la trompette qui sonne. Écoutez la trompette qui sonne. Là, Dieu parle à Israël. Nous lisons dans les livres de ce même prophète qui nous a écrit les 66 livres de la Bible. Nous prenons ici Ésaïe chapitre 27. Nous lisons au verset 12 jusqu'au verset 13. Voilà. En ce temps-là, l'Éternel secouera du fruit. Depuis le cours du fleuve jusqu'au tore d'Égypte. Et vous serez ramassés un à un, enfants d'Israël. En ces jours, on sonnera de la grande trompette, et alors reviendront ceux qui étaient exilés au pays d'Assyrie ou fugitifs au pays d'Égypte. Et ils adoreront l'Éternel sur la montagne sainte à Jérusalem. Voilà. Nous avons compris que non, l'Israël, qui était un peuple de Dieu, quand Dieu traitait avec Israël, nous étions considérés des païens, des gens éloignés de Dieu qui adoraient des dieux. Vous voyez? Et nous avons vu que non, parmi les trompettes dont nous sommes en train de parler ici sur la fête des sept trompettes, la fête des trompettes. Nous avons vu selon les livres d'Apocalypse, chapitre 8, verset 7, ici, dont la Bible nous parle de cette trompette, de la première trompette qui a été sonnée ici. Et quand cette trompette sonna, selon l'Apocalypse, chapitre 8, verset 7, quand cette première trompette sonna, voilà, il y avait quoi? Il y avait de la grêle, du feu, mêlé de sang, furent jetés sur la terre. Les tierces de la terre furent brûlées, les tierces des arbres furent brûlées et toute herbe verte furent brûlées. Ça, c'était d'une manière spirituelle, comme cela nous a été révélé, je dis toujours ça, en guise de cause. C'était là en Égypte, quand leur trompette a été sonnée spirituellement. Et l'Israël était sorti de l'Égypte pour aller servir l'Éternel, leur Dieu, dans la terre promise, le Jérusalem en Israël, la terre que l'Éternel leur a donné à Abraham, leur père, là, à Palestine. Vous comprenez? Et quand ils étaient sortis, vous comprenez, ils étaient sortis au moyen d'une trompette. Et c'est cette trompette qui les a quittés là-bas pour retrouver dans ces pays. C'était ça la première des trompettes. Et mais nous n'avons pas séparé ces trompettes parce que quand le saint prophète nous a dit que non, quand les sceaux ont commencé à être révélés, du premier jusqu'au sixième sceau, nous avons vu que toutes les trompettes ont été sonnées au même moment. Mais retournons d'abord pour voir un récit plus clair sur ce que nous sommes en train de parler ici. Vous comprenez? Nous avons vu que le Seigneur Jésus-Christ a été rejeté par eux qui, l'Israël, qui était appelé de Dieu. Vous comprenez? Comme une église sainte préparée pour recevoir une terre promise par Dieu, comme l'Église aujourd'hui dont nous sommes en train de parler, a été préparée et prise dans l'enlèvement pour
être gardé dans le palais jusqu'au jour où l'Éternel, notre Dieu, va restaurer cette terre parce qu'il a été créé par lui. Ce n'est pas la terre qui sera détruite, mais la terre sera transformée par le feu. Vous comprenez? Nous allons parler de ça selon 2 Pierre chapitre 3. Vous voyez, quand nous allons parler sur beaucoup de précisions en ce qui concerne l'enlèvement. Et nous avons compris que non, quand ils étaient sortis par la trompette qui a été sonnée spirituellement, cette première trompette, ils sont retrouvés dans le pays. En se retrouvant dans le pays, ils servaient Dieu. Et ils vivaient tous par des sangs des boucs, des animaux, des brebis. Ouais. Alors, ils attendaient la venue du Messie pour recevoir une vraie expiation du péché. Parce que remarquez, chaque année, comme nous avons parlé le dimanche passé, les gens, l'Israël, tout peuple qu'ils étaient là-bas, ils amenaient un agneau, soit des tourterelles, ainsi de suite, auprès des sacrificataires, au temple. Et les sacrificataires prenaient cela, vous comprenez? Le pécheur mettait sa main là-bas, confessant ses péchés, et puis l'agneau là, innocent, sans défaut, prenait la place de cet homme-là. Mais nous avons vu que cet homme-là n'était pas complètement purifié ou sanctifié parce que l'âme de l'animal n'est pas compatible pour sauver l'âme de qui? D'un homme. Vous comprenez? C'est la vie animale n'est pas compatible, n'a pas cette capacité, ça, capacité-là de sauver la vie humaine. Cela veut dire que le sang de cet agneau, un animal, ne couvrait que le péché. N'enlevait pas, n'ôtait pas les péchés de cet homme-là. Si vous comprenez. Et nous avons vu que pendant tout ce temps-là, il ne vivait qu'avec ça parce que c'était le seul moyen que Dieu a pourvu. Aujourd'hui, nous avons compris que les églises ont pourvu beaucoup de moyens, des credos, des dogmes, des dénominations, des loges. Ils ont créé beaucoup de moyens en cherchant à sauver l'homme, peut-être par les études théologiques, et par des connaissances, des miracles, des prodiges, ainsi de suite. Cela ne marchera jamais. Parce que Dieu, tout au commencement là-bas, quand l'homme a chuté, il a transgressé la loi de l'Éternel pour que Dieu puisse sauver cet homme-là, pour qu'il puisse vivre et puis commencer à quoi? À se multiplier pour que nous puissions avoir ce monde où nous sommes aujourd'hui. Dieu a pourvu d'un agneau. Si ce n'était pas ça, le monde allait prendre fin dès ce moment-là dans les jardins d'Éden parce qu'ils ont transgressé la loi de l'Éternel. Vous comprenez? La parole qui les a créés. Mais Dieu, dans sa bonté, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pourvu d'un agneau. Le type dont le seul moyen qu'il pouvait sauver, il n'y a pas d'autre. C'est toujours au moyen d'un agneau innocent que Dieu a commencé là-bas. C'était la préfiguration des véritables agneaux qui devaient venir, Christ. Et pendant tout ce temps qu'eux, ils vivaient, avec le sang des boucs, des taureaux, des brebis, des tourterelles, ainsi de suite, cela n'ôtait pas cela. Et ils n'avaient pas l'accès d'entrer dans le lieu très saint. Et tous s'arrêtaient, soit dans le parvis, soit dans les lieux saints. Les seuls, les souverains sacrificateurs qui entraient, ils passaient le voile, les rideaux du temple, et puis ils passent la peau de blaireau, le sel. Donc lui-même, pour aller là-bas, il devait se sanctifier pendant plusieurs jours, afin d'être capable d'y pénétrer. Si pas, lui aussi, il allait mourir pour aller dans les lieux très saints, là où se retrouvait le pectoral d'Aaron, les 12 pierres qui représentaient les 12 tribus d'Israël, là où la gloire de Dieu descendait. Vous comprenez? Mais nous avons compris que non, quand Jésus est venu, l'Israël, ils ont vu ce qui ont été annoncés par les prophètes, ils n'ont pas reconnu cela. Et ils ont renié Christ. Vous comprenez? Jusqu'à arriver même à commettre ces péchés, comme le saint prophète l'interprète dans les 62, dans le cibit de la visitation de l'ange Gabriel à Daniel. Que le péché grave que l'Israël a connu, il a dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants.
Voilà les conséquences de ce que nous sommes venus parler ici. Et vous allez comprendre pourquoi est-ce que nous avons parlé des trompettes alors que les trompettes parlent d'Israël, alors que parce que l'Éternel a parlé à son serviteur Moïse depuis Moïse, c'est le prophète de l'Israël. Vous comprenez? Et nous avons compris que non, que le nom de l'Éternel, notre Dieu, soit béni. Quand Christ était mort à la croix, tout ça a été brisé. Les rideaux étaient déchirés du haut en bas et tout le monde, nous avons eu l'accès d'entrer dans le lieu très saint. Comme nous avons dit l'autre fois, Paul a dit que non, il a fait de nous royaume de sacrificataires. Avançons. Et l'Israël, quand il a rejeté Christ, nous allons lire ça ici et vous allez comprendre parce que nous allons chiter une fois pour toutes avec les Écritures en lisant et puis nous clôturons. Voyez. Parlons un peu de ce que le Seigneur a mis à notre disposition. Enfin, de prendre les Écritures. Voilà. Et nous avons compris que non, l'Israël ont rejeté la vraie expiation. Parce que ce qui s'est passé avec les animaux ne pouvait jamais ôter les péchés. Et si vous comprenez, ça faisait quoi? Ça couvrait devant Dieu. Juste que ça ne puisse pas apparaître à ses yeux, afin qu'ils puissent vivre comme des peuples saints. Mais le diable les acquisait. C'est pourquoi quand ils mouraient, nous avons vu que non, et tous se retrouvaient là-bas en bas. Ils n'allaient pas en haut. Quand Christ a sonné de la trompette à la croix, en poussant un grand cri, nous avons vu que non, la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 27, nous avons lu ça ici, le sépulcre s'ouvrir. Voilà ce que tous les saints des églises, l'épouse de Christ, devaient attendre aujourd'hui. En écoutant sa trompette, la trompette de l'église. Donc beaucoup de gens, ils sont allés sur des choses qui attirent les regards. Des miracles et des prodiges dont le Seigneur avait dit dans Matthieu chapitre 24. On vous dira qu'il est ici, il est là, n'y allez pas. On vous dira aller à la montagne, n'y allez pas. Vous comprenez? Quand vous voyez l'éclair quitte, l'Orient se montre vers l'Occident, c'est là où que vous devez chercher là. Vous comprenez que c'est là où que le Fils de l'homme doit se montrer, doit se manifester. Si vous comprenez. Mais les gens sont restés bornés en ayant les yeux là où il a déjà quitté, ou en Orient. Mais nous avons vu que le Saint-Esprit a fait beaucoup de voyages. Nous allons parler de ça en quittant l'Orient, en venant vers l'Europe, vers l'Allemagne, retourner, venir vers l'Angleterre. Et il est retourné jusqu'à tel point qu'il s'est retrouvé à l'Ouest, là où il s'est montré et il est descendu. Et pendant tout ce temps-là, il y avait une manifestation partout dans le monde. Nous allons parler de ça. Et l'Israël, quand ils ont rejeté Christ, l'expiation qu'ils devaient recevoir, cela fait en sorte que non, ce que nous avons dit ensemble avec vous, le prophète Esaïe l'en a dit, et le prophète Zacharie, pardon, il a dit que frappe les bergers et le troupeau vont se disparaître partout dans le monde. Et c'est ce qui s'est passé avec l'Israël. Quand ils ont frappé les bergers, le prophète Zacharie l'en a déjà parlé. En avance, lisez Zacharie, commence tôt, chapitre 11, 12, 13. Comment est-ce qu'ils ont été dispersés partout dans le monde et quand ils vont se retrouver? Et maintenant, c'est ce que nous sommes venus d'enseigner ici, par cette leçon de l'école du dimanche, là où les fils des prophètes se retrouvent. Vous comprenez? Comme selon 1 Corinthiens chapitre 11, c'est le temps à laquelle que les fils des prophètes devaient se retrouver parler le même langage. Vous comprenez pourquoi? Parce que nous vivons le temps de l'esprit d'Élie, du prophète Élie, qui est venu encore. Parce que l'esprit d'Élie, c'est l'esprit de Dieu. Remarquez, cet esprit était à Élie. Avant qu'il puisse aller, Élisée ne demandait pas de l'argent. Élisée ne demandait pas du travail. Élisée ne demandait pas le mariage. Le voyage en Europe ou au Canada, Élisée demande à son maître, Élie le Tisbite,
la double portion de son esprit. Voilà ce que nous, nous désirons. Voilà ce que nous venons parler ici, que nous puissions recevoir la portion de l'île de Malachi 4. Parce que c'est lui et l'île de notre temps. Parce que c'est ça la promesse qui nous a été donnée, nous, les gens des nations, pour recevoir notre expiation. Vous voyez? Et Élisée, après que Élie, avant qu'Élie puisse monter, en montant, il a jeté son manteau de chair. Il a accordé à Élisée ce qu'il avait demandé. Bien qu'il a dit que non, ce que tu demandes, moi je suis incapable de te le donner. Ce n'est qu'à l'Éternel seul de te le donner. Alors comme ses désirs étaient parfaits, Dieu l'a accompli. Et remarquez, si vous lisez cette histoire-là, vous allez voir que non, les enfants, le fils des prophètes, la Bible les appelle le fils des prophètes, ils étaient venus auprès d'Élisée parce qu'ils étaient là avec les Écritures pour dire à Élisée, les prophètes, que non, ton maître va te quitter. Vous comprenez? Ton maître, dans peu de temps, il sera pris. Alléluia. C'est ça. C'est là où que l'Église devait prendre son modèle. Pas les modèles que nous, nous voyons. Les gens sont bornés là-bas, toujours à cherchant un réveil au milieu d'eux. À cherchant toujours des chairs de poule. Ce temps-là a tellement... Donc, je ne sais même pas expirer, donc, il y a longtemps. Les choses ont évolué depuis qu'il était descendu dans l'Apocalypse, chapitre 10. Avançons. Vous comprenez? Donc, le fils... Dieu lit les Malachi 4, c'est récent, parce que le troisième venu de l'esprit d'Élie, c'était à Jean-Baptiste. Quand il a quitté Élisée, c'était à Jean-Baptiste. Lisez Malachi chapitre 3. Et quatrième venu de Élie, de cet esprit d'Élie qui est Dieu, Elohim, c'était avec Élie de Malachi 4. Un prophète, le septième ange. Vous comprenez? Nous ne sommes pas là pour parler de ça d'une manière à chercher à montrer aux gens que non, voilà notre dénomination, venez ici. Non, nous parlons de ça parce que c'était avec lui, comme nous voyons dans un terrain de football. Les gens aujourd'hui veulent à ce que non, comme la Bible le dit là-bas, chacun a, avec sa chair, avec sa colonne de feu. Donc c'est tout un chacun, les gens ils ont créé leur propre colonne de feu dans des églises, dans des tabernacles, ainsi de suite. Dans des temples. Vous voyez? Mais ce n'est pas le cas. Regardons ce qui se passe. Nous pouvons prendre un exemple littéral dans la nature, dans un terrain de football. Vous voyez là-bas, est-ce qu'il y a combien des arbitres là-bas? Vous comprenez? Il y a deux semaines qui se tient là-bas comme les deux anges qui étaient partis avec Elohim au devant d'Abraham. Mais le seul qui est là au milieu du terrain, comme Elohim, c'est lui qui parlait à Abraham et à Sarah, discernant les pensées comme le Fils de l'homme, c'est l'arbitre. Et chaque fois quand Dieu vient vous révéler quelque chose, il ne peut pas révéler ça à plusieurs personnes. Donc s'il y a plusieurs arbitres dans le terrain, qui va souffler le... Donc cela veut dire, ça serait, je ne sais même pas. Donc c'est totalement de la confusion. Vous comprenez, c'est de la mythomanie. C'est ce que nous parlons de l'amnésie spirituelle qui règne dans des églises. Il n'y a qu'un seul arbitre dans chaque temps. Et dans le temps dans lequel nous vivons, Dieu nous a envoyé Élie les prophètes, William Branham, dont nous vous présentons comme les saints prophètes de Dieu. C'est de lui qu'il y a la lumière du soir. Comme nous avons dit l'autre fois, il y a ici un homme qui peut allumer la lumière, un homme envoyé de Dieu. Pendant tout ce temps, Élisée était un prophète de Dieu, mais il ne pouvait pas prendre la place d'Élie parce qu'il devait attendre son temps. Quand Jésus était venu, Jean-Baptiste est le plus grand de tous les prophètes, Élie, les prophètes, il était là. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés? Jésus n'avait pas nié Jean-Baptiste, il a dit qu'il est le plus grand de tous les prophètes, alors lui-même aussi, il était le prophète. Il faisait des éloges, pas des éloges flatteries comme nous voyons des églises, des éloges qui égarent. Vous comprenez? Attention avec les éloges. C'est pourquoi l'apôtre Jean-Baptiste et Mouingé avait rejeté les éloges. Vous comprenez? Voilà. Et nous avons compris que non,
Cet esprit a quitté Élisée, s'est retrouvé à Jean-Baptiste, et Jean-Baptiste, quand il était là, il a compris que non, le temps était venu, que pour ce qui a été annoncé d'avance par nos collègues, les prophètes, par nos semblables, les prophètes, est venu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a quitté la scène, parce qu'on ne pouvait pas avoir deux prophètes dans un même temps, dans un même âge. C'est pratiquement impossible. Vous comprenez? Et cet homme, ce septième ange, William Branham, il n'est pas venu pour parler de lui comme les gens en font pour égarer d'autres personnes. Et ils ont égaré beaucoup de gens loin de la lumière. Vous comprenez cela? Vous voyez? En se précipitant, en parlant de certaines choses, en choquant les gens, vous comprenez? À choper les gens, alors qu'il fallait amener ces gens-là à la perfection. C'est lui qui va rejeter que ce soit son propre jugement. Vous ne pouvez pas limiter les gens. Quel que soit, Christ est venu que je suis. Il a dit que non, je ne suis pas venu pour tout le monde. Bien qu'il a dit que non, il est venu pour ôter les péchés du monde. Parce que tout au commencement là-bas, en Éden, nous avons deux semences. La semence qui était sortie d'Adam, on a tué Abel, Dieu a restauré, c'était la résurrection qui était sainte. Mais du côté des Caïens, ils ont évolué. Ils étaient sortis de la semence du serpent. Nous allons parler de ça avec précision. Vous voyez? Et c'est de lui que ce réveil est descendu jusqu'au Congo. Nous vous en parlons ici, vous qui n'avez pas compris. Moi, ma mère m'a dit, et je compris cela quand j'étais un petit garçon. Vous comprenez? Avant que je puisse quitter la voix de ma mère pour aller faire de la musique, et la voix de ma mère sonnait toujours dans ma tête comme était une femme vertueuse. Mais disant que non, la musique mondaine que tu fais là, moi je n'aime pas ça. Sache qu'un jour quand on te demandera une personne, c'est toi-même qui partiras. Tu comprenais pas ça. Et tous ces succès, vous qui me connaissez, Vegas, Las, j'avais, vous comprenez? Cela ne m'a pas fait en sorte que non, j'avais touché quelque part. Alors, tous ces amis qu'on avait voulu avec, je sais, on ne sont pas venus parler de ça ici. Vous comprenez? Jusqu'à tel point que j'ai entendu la voix du Seigneur et j'ai quitté. C'est ce que ma mère me parlait, résonnait toujours à ma tête. Quoi? Tommy Osborne. Maman parlait de Tommy Osborne, qui était venu à Ponga, Biaponga, Savubu, prêchant la parole. C'était un grand évangéliste dont Frère Branham a témoigné même de lui. Et quand il est descendu au Congo, il prêcha à Ponkasavubu là-bas. Or, avant qu'il puisse venir prêcher à Ponkasavubu, quand on a reçu le message, vous comprenez, donc ça veut dire qu'on n'a pas reçu, donc quand on est retourné parce qu'on y était avant de naître. Parce que le message est Christ, c'est la parole envoyée. Donc, c'est la parole envoyée par Christ à son messager. Vous comprenez? Et on était déjà là. Et quand on est retourné, c'est là où que nous avons compris Tommy Osborne allait, c'est le prophète, en disant que non, toi, tu es plus grand que moi. Je vis Christ dans ton ministère, dans ta vie. Tu identifies Jésus-Christ personnifié. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que c'était l'accomplissement de la promesse de Luc 17 et 30. L'accomplissement de la promesse de Malachie 4, c'était quoi? C'était de restaurer la foi de peur. Parce que c'est là où que l'Église a commencé. Vous comprenez? Là où nous commençons maintenant à chuter. Mais terminons avec ce que nous sommes en train de parler ici, de comment est-ce que le réveil a commencé. Vous pouvez demander ça à plusieurs gens, ils vous diront ça. Tommy Osborne, il est encore en vie, c'était grand évangéliste de Dieu. Il est allé voir Frère Branham, j'ai besoin que tu puisses prier pour moi parce que j'ai l'envie d'aller, je sens que je puisse aller évangéliser la parole du Christ partout dans le monde. Est-ce que les prophètes pouvaient refuser cela à un serviteur de Dieu? Non. Il a reconnu d'abord le don de Dieu. Le don, c'est Dieu. Vous comprenez? Dieu est dans la chair humaine. Et ils ont prié ensemble. Frère Branham lui a imposé les mains. Et quand le prophète lui a imposé les mains, qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris son avion, il partait d'un pays à l'autre et il est venu chez nous, là où le prophète disait que c'est un pays où il y a beaucoup d'élus de Dieu.
Et remarquez, qu'est-ce qui se passe? Il y a aussi plusieurs dénominations qui sont nées là-bas. Pourquoi? Parce que le diable regarde toujours là où il y a des étoiles. Il y a beaucoup d'étoiles et lui, il vient. Et comme je suivais quelqu'un qui faisait la, quoi, le statistique, en fait, de pays qui ont beaucoup d'églises. Il a dit qu'en Afrique, d'abord, le Nigeria est le premier. Le second, c'était, je pense, si c'est Côte d'Ivoire. Troisième, c'est le Congo. Vous comprenez cela, donc, remarquez les chiffres, les chiffres parfaits. Et Tommy Osborne est venu là-bas. Il a commencé sa campagne à Pont-Kassavu. Et quand il était là, il prêchait, il a choisi le 3, l'apôtre Jean-Baptiste Mandawa Mwengei. Et nous avons vu l'apôtre Haïdi Nabal et le Dieu Mokuna, que j'appelle toujours, moi j'aime toujours l'appeler Mokuna, Dieu, le Dieu mal compris, vous comprenez? Et papa Mokuna, il est allé un peu chercher la source et il a retrouvé le message de l'air, vous comprenez? Et c'est de lui que nous avons vu que l'église de Rigini ainsi de suite. Nous ne sommes pas là pour parler des histoires, je donne simplement je mets simplement des points sur les i. Et nous avons vu que non. Vous connaissez l'histoire avec l'apôtre Haïdi Nabal et tout ça. Nous avons vu que l'église est tombée dans la dénomination. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'ils puissent rester avec les écritures. Ils ont fait la même chose que les réveils pentecôtistes ont fait aux États-Unis d'Amérique. C'est là où j'ai dit que nous commençons à chuter. Vous comprenez? Et de l'autre côté, l'apôtre Jean-Baptiste, lui aussi, il est allé là-bas avec l'église de Jésus et cela a donné naissance avec les églises de Bima, de Sayo, ainsi de suite, de Liloba et toutes ces histoires-là et des dénominations-là qui sont à ma tête et par-ci, par-là. Voyez, c'est ce que nous donnons comme exemple afin que les enfants de Dieu puissent comprendre comment est-ce que la lumière marche. Et si vous niez la source de la lumière, vous allez marcher dans les ténèbres parce que vous devez avancer avec la lumière. Si vous quittez la lumière, vous en marchez de côté, vous allez marcher dans les ténèbres parce que le temps dans lequel que nous vivons dans les ténèbres complètement. Regardez la nature avant que nous puissions avancer sur ce que nous sommes en train de parler. Vous allez m'excuser. Je voulais maintenant terminer. Pourquoi je me suis dit de retourner sur ce que je suis en train de parler ici. Vous allez vraiment m'excuser. Nous avons vu que non, dans la nature, l'exemple que je voulais prendre sur la nature, si vous remarquez dans la nature, vous allez voir que tout marche en ordre. Ce n'est que nous, les gens, qui changent. Mais nous aimons Dieu, nous voulons témoigner Dieu, marcher avec Dieu, nous croyons aimer Dieu. C'est certainement, tout le monde qui part à l'église ne part pas à l'église pour devenir un mauvais, soit une mauvaise fille, non. Tout le monde part à l'église pour devenir une bonne personne, pour hériter, après sa mort, le royaume de Dieu. Mais nous avons compris que beaucoup des églises égarent les gens de l'objectif à laquelle ils viennent communier dans l'église. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que nous appelons, nous sommes en train de parler ici. Maintenant, retournons là-bas dans la nature et nous voyons que dans la nature, tout marche en ordre. Vous voyez? Sur les abeilles, il faut remarquer leur vie, vous comprenez, ils font des choses selon des saisons, des temps. Des oiseaux, ainsi de suite. Vous allez voir même votre propre poule ou coq que vous élevez à la maison. Donc, ça veut dire quand il fait 18 heures, peut-être il ne peut plus manger. Vous comprenez? Il fait ça... Son bec comme ça, et puis il entre là-bas, c'est le temps de dormir, de se reposer. Et nous remarquons même dans les arbres, vous allez remarquer que les arbres, et donc ça veut dire, dans des saisons, vous allez voir, les feuilles vont commencer à faire quoi? À tomber. Et l'arbre devient comme si ça va devenir sèche et mourir, ça a perdu sa vie, vous comprenez? Mais ce n'est pas le cas. Dans les feuilles qui tombent de l'arbre là-bas, à l'intérieur de cette feuille, se retrouve quoi? La potassium, quoi? Il y a le potassium, le calcium dans le feuille. Et quand le feuille tombe en terre, tout autour de l'arbre,
Vous comprenez cela? Comme la parole que nous nous écoutons qui forme un corps. Et quand ça tombe tout autour de vous là-bas, qu'est-ce et tout autour de l'arbre, ça pourrit. Vous comprenez? Le soleil le rend sèche et puis ça pourrit par la pluie, même pas par la pluie, si nous pouvons dire dans les saisons sèches. Qu'est-ce que ça fait? Le potassium et le calcium qui est descendu là-bas entrent dans les racines, juste dans les racines pivotantes de l'arbre, et cela fera en sorte que non, la vie là revient encore, restaure l'arbre avec des feuilles vertes. Vous comprenez? Des feuilles vertes. Vous voyez? C'est ça, la mort, l'ensevelissement et la résurrection. Donc nous tous, nous sommes censés y passer dans ce processus pour naître de nouveau en Christ. Ouais. Et nous avons remarqué, en commençant à chuter l'Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rejeté Christ. Ouais. Pourquoi? Parce que ce voile-là, qui était dans leurs yeux, était resté. Ils ne pouvaient pas comprendre ce qui s'était passé. Or, en entrant dans la révélation, nous avons compris que non, c'était la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que si Dieu a fait en sorte que non, l'Israël puisse lui reconnaître dans ce temps-là, alors que, à quoi sert avec nous, avec nous les gens des nations, les gentils, qui n'ont pas encore connu Dieu, qui servaient plusieurs dieux. Dieu, comme il est juste, il a aveuglé ses propres fils et des filles pour qu'ils puissent se révéler à nous. Ils ont rejeté les dieux qu'ils attendaient, les messies qu'ils attendaient, dont les écritures étaient claires. Vous comprenez? Les sacrificateurs, les scribes, les pharisiens, qui étaient des grands, qui étudiaient cette parole. Vous comprenez? Mais la parole s'est accomplie. Ils n'ont rien compris. Ils ont rejeté. Ils l'ont appelé Belzéboul. Ils chassent des démons par l'esprit de Satan. Comment Satan peut chasser Satan? Est-ce que vous pouvez comprendre ça? C'était l'aveuglement. Et quand ils ont jeté Christ, nous avons compris que non. Il y avait quoi? Il y avait la mort de Christ et l'ensevelissement. Quand Christ était ressuscité et il est allé, il est revenu. Vous connaissez, nous avons parlé de ça le dimanche passé pour ne pas toujours tourner sur la même place. Et nous avons vu qu'il y avait le Pentecôte qui était arrivé là-bas. Et Pierre et les autres se sont montrés, ils leur ont montré. Et tout ça, mais ce n'était plus leur temps. Ils ne pouvaient plus comprendre. Ils ont commencé à persécuter les apôtres et tout ça, ainsi de suite. Même Saül, qui persécutait lui aussi ceux qui croyaient en Christ. Vous comprenez? Dieu lui a changé par une naissance de Saül à Paul. Vous comprenez? Une nouvelle naissance et il a compris dans les chemins de Damas. Quand il allait persécuter les chrétiens, Actes chapitre 9, c'est de là que lui aussi, il a compris et il a pris les relèves de Pierre, qui comprenait les choses un peu lentement, alors que Dieu lui a appelé, lui a montré dans la vision, Actes chapitre 10, et il est allé dans la maison de Corneille, ainsi de suite. Il n'a pas compris que les gens, il était en train de prêcher ces gens, il n'a pas encore imposé les mains pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, mais ils l'ont déjà reçu. Ils ont commencé à parler en langue, à prophétiser, à faire toutes ces choses, toutes les évidences du Saint-Esprit, des filles, des signes initiales. Vous comprenez, d'autres apôtres sont venus vers lui pour lui dire, mais comment cette parole n'est pas venue pour ces gens ici? Corneille et tous ces gens qui sont avec lui, qui se réunissent ici pour prier, sont des païens. Cette parole est venue pour les Juifs. Voyez, la lumière les a déjà quittés. Comme nous avons dit, les gens restaient là à adorer Jésus dans Galilée. Alors, quand il était venu là-bas, il a dit lui-même, clair, je suis venu pour les brebis perdus de la maison d'Israël. Et ces brebis-là lui ont rejeté. Et nous avons vu que non, pour que ces trompettes, la fête des trompettes ici, dont nous sommes en train de parler, pour que toutes ces trompettes qui sont sonnées tous dans le sixième essau, avant la septième essau, avant le septième essau, pardon, vous allez remarquer que non, ici, il y avait d'abord quoi? La Pentecôte pour y arriver. Vous comprenez? Or, la Pentecôte, si nous allons dans selon sa définition, la Pentecôte veut dire donc les gerbes qu'on agite. Les gerbes qu'on agite veut dire le prémisse de la moisson. C'était un type de prémisse du Saint-Esprit qui devait être répandu sur les gens. Vous comprenez? Donc, ça veut dire
les prémices du Saint-Esprit, ça veut dire que ce sont des fils qui sont nés de nouveau, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. C'est ça. Les prémices du Saint-Esprit, les fils qui ont arrivé à la maturité, qui ont obéi comme Jésus a obéi à marcher. Et nous avons vu que dans Matthieu chapitre 17, frère Alain, que Dieu vous bénisse, vous comprenez parce que j'étais en train de tâtonner Matthieu 16, Matthieu 17, et le frère est venu pour me dire que non, il m'a écrit là-bas dans les commentaires Matthieu 17. Que Dieu vous bénisse, j'aime ça. Vous comprenez, nous devons les fils des prophètes. Vous voyez? Donc, Matthieu 17, dans la montagne de transfiguration, Jésus a pris avec lui Pierre, Jean et Jacques. Vous comprenez? La foi, l'amour et l'espérance. Et il est allé avec eux à la montagne de transfiguration. Vous comprenez? Et remarquez, il y avait une voix qui fait attendre dans la nuée parce que la nuée a enveloppé Jésus-Christ. Et une voix qui disait que celui-ci, c'est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection, vous comprenez? Ma plénitude, écoutez-le. Vous comprenez? Avant que la voix puisse parler, nous avons vu que non, Jésus, dans la montagne des transfigurations, il y avait deux qui ont été apparus. C'était qui? Moïse et Élie les prophètes. Moïse les prophètes qui était parti il y a 800 ans passés, il est revenu pour vous montrer que la mort ne représente absolument rien. Vous comprenez que j'ai entendu quelqu'un qui dit « Ah, il parle de Banam, Banam, il est mort !» Comment ça? Qui vous dit ça? Quand on parle de Jean-Baptiste, Manda ou Amoungue, les gens disent « Il est mort !» Mais tu es fou, toi. Paul a dit « Mort, où est ton aiguillon, toi, tombeau, où est ta victoire ?» Paul n'est pas mort. Il a fait simplement un déplacement. Il a traversé simplement le fleuve de Verre. Il se retrouve quelque part, là où si Dieu permet aussi, moi et toi, nous pouvons traverser, si nous restons avec ces écritures ici. Vous comprenez cela? N'écoutez pas les diables qui viennent toujours vous rappeler vos fautes, vos erreurs, pour que vous ne puissiez pas avoir le temps d'écouter la parole et de rester sur les choses que lui, il a pour vie. Quoi? Des théâtres, des séries. Vous pouvez avoir des séries qui peuvent prendre 6 heures du temps. Avançons avec ça. Ouais. Et nous avons compris que non, les prémices du Saint-Esprit, ils étaient là-bas et ils annonçaient la parole. On les a persécutés parce que cela devait être comme ça. Pourquoi? Parce que l'ère a changé. Vous comprenez? Et nous avons compris que non, du temps de ce temps de Pentecôte, ouais, depuis ce temps-là, donc c'était pour les gens des nations. Alors nous avons vu que non, or, les Pentecôtes signifie 50. Or, le chiffre 50, voyons des gens célèbres l'ère 50 ans, vous comprenez, demi-siècle. Or, le chiffre 50, c'est le jubilé. Le chiffre 50, vous voyez donc, ça veut dire, Pentecôte veut dire 50. Jubilé, on jubilait quelque chose, on célébrait quelque chose. Il y avait une trompette qui avait sonné là-bas, vous comprenez? Et les prémices du Saint-Esprit ont manifesté les œuvres du Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit avec eux. Oui, nous commençons maintenant à chuter. Ouais. Alors, les 50 signifient les 7 sabbats et représentés par les 7 sabbats. Et les 7 sabbats, tout ce que le prophète, et quoi, l'ange Gabriel disait au prophète Daniel. Tout est là. Nous allons parler encore de ça parce qu'il faut qu'on puisse retourner toujours et rendre ces choses nouvelles. Ouais. Et nous avons vu que non. Donc, le fait de la Pentecôte, pour appeler un peuple à sortir des nations pour porter son nom. Maintenant, à la fin des 7 sabbats qui ont eu lieu, se disait être l'expiation qui correspondait aux 7 trompettes. Et les 7 trompettes, c'était pour publier les jours de deuil, revenir au sacrifice ou à l'expiation, alors que les 7 trompettes, c'était pour Israël. Voilà ce qu'on avait écrit ici quand on était en train de faire la leçon. Quand on était en train de faire, on écrivait quoi, le résumé de tout ce qu'on avait entendu. Et nous avons vu que non, suivez-moi très bien. Voilà. Nous avons vu que non, donc quand la Pentecôte est arrivée, alors la Pentecôte, nous venons de dire que non, veut dire 50. Donc, voilà le jubilé. Le chiffre 50, c'est le chiffre de Dieu. Et dans le chiffre 50, ça veut dire qu'il y a 7 semaines, il y a 7 sabbats, pardon.
Et parmi les sept sabbats, si vous lisez dans le livre de Lévitique, chapitre 23, Lévitique, chapitre 16, vous allez voir ce qu'ils sont en train de dire ici. Dieu a annoncé ça depuis les temps anciens, son serviteur Moïse. Ouais. Or, le chiffre 50, c'est un chiffre de Dieu. C'est le sept sabbats. Et les sept sabbats représentent les sept églises d'Asie, de l'Apocalypse, chapitre 2. De première église d'Éphèse jusqu'à l'église de Laodicée. Vous comprenez? Et nous avons vu que non, les sept sabbats qui représentent les sept âges de l'église. J'ai entendu quelqu'un qu'on parlait l'autre fois de la parole, il a dit que non, tout ça s'est passé en même temps, c'était en Asie. Non, c'est faux. Remarquez l'explication de ce que le Seigneur parlait à chaque église. Vous allez voir que non, c'est vraiment conformant à ce qui s'est passé et à ce qui se passe. Prenons l'exemple de l'église de quoi? D'Éphèse. Vous allez voir que celui qui était là, c'est Paul. Remarquez ce que ces écritures parlent de l'église d'Éphèse dans Apocalypse chapitre 2, en commençant au verset 1. Et quand on est arrivé là-bas, dans la seconde âge de l'église, vous allez voir que l'église est entrée dans l'âge sombre, dans la persécution d'Apocalypse chapitre 6. Vous pouvez commencer à lire au verset 7 en montant. C'était quoi la persécution de quoi? Des saints, des chrétiens qui croyaient en Christ. L'église est entrée dans l'âge sombre, alors que là, tout au début, c'était juste une semence qui était tombée en terre pour que ça puisse se manifester au temps de la fin. L'arbre dont la semence est tombée en terre devait se manifester à la maturité. C'est là où qu'on fait le récolte. Et nous avons vu que non, l'église s'est avancée dans l'obscurité jusqu'à tel point que les réformateurs ont venu. Et les réformateurs n'étaient pas des prophètes. Oui, parce que depuis Paul était parti, tout ce qui venait là-bas, Irénée, Colomba, Martin, Luther, qui est venu avec la restauration de quoi? De la foi. En disant que non, nous devons croire au Seigneur Jésus-Christ. On ne peut pas croire au Marie, on ne peut pas croire au Père, Fils, Saint-Esprit, ça c'est la fausseté. Oui. Et nous avons vu que Wesley est venu, ils n'étaient que des réformateurs. Vous comprenez? Parce que l'arbre là, l'autre fois, qu'on était éloigné de ça, que dont Adam et Ève, ils étaient éloignés, c'était Christ, il devait se restaurer ici, dans l'épouse qui était déchue, dépourvue, éloignée. Vous comprenez? Et nous avons vu que non, tout ce temps-là, quand Wesley est venu, il est venu avec la sanctification. Nous ne devons pas nous limiter simplement à la croix, à la foi, à la justification de croire au Seigneur Jésus-Christ, mais nous devons aussi vivre une vie de sanctification, étant des chrétiens. Vous comprenez? Et nous avons vu qu'après la sanctification, et tous ils étaient réformateurs, il y avait l'âge pentecôtiste comme étant une brèche avant que le sceau puisse s'ouvrir. C'était le septième qui est l'âge de Laodicée. Et lisez ce qui est écrit dans l'âge de Laodicée, c'est clair là-bas, c'est quoi? C'est l'âge de l'aveuglement, de la nudité dont le Seigneur, dans verset 22-23, là où l'Écriture dit, Apocalypse chapitre 3, que Jésus est chassé hors de l'église. Vous comprenez cela? Et il vient, il tape, il cherche à retourner dans l'église. C'est l'âge à laquelle que nous vivons. Et si vous comprenez, mais pendant ce temps-là, avant que le septième sceau puisse être révélé, quand Christ est descendu dans l'Apocalypse, chapitre 10, nous avons vu que les sept trompettes, les trompettes d'Israël dont l'Éternel a parlé à Moïse, eux tous ont été sonnés en même moment. Vous comprenez? Quand dans le sixième sceau avant le septième sceau, parce que le septième sceau, c'est le mystère des mystères. Donc, là où le livre de la rédemption est descendu avec Christ lui-même, le chef de l'Église. Vous comprenez? Et dans ces brèches-là, nous avons compris que non, ce que nous venons de lire ici, si nous pouvons prendre même avec vous Apocalypse chapitre 9, en chitant, si on peut lire ça rapidement, Apocalypse chapitre 9, je suis là au verset 13 jusqu'au verset 21, mais c'est un peu long, je veux simplement lire quelques versets. Le sixième ange sonna de la trompette, vous voyez, c'est la sixième trompette avant la septième trompette, la dernière trompette d'Israël, ouais, avant cela. Le sixième ange sonna de la trompette et j'entendis une voix venant des quatre cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu et disant au sixième ange qui avait la trompette de délier les quatre anges qui sont liés sur des grands fleuves
l'Euphrate. Alléluia. 15. Et les quatre anges qui étaient prêts pour l'air, le jour, le mois et l'année, furent déliés afin qu'ils tuent les hommes. Ils tuent les liés des hommes. Le nombre de cavaliers et de l'armée qui étaient de 2 myriades, j'en entendis le nombre, 17, et ainsi, dans la vision, je vis les chevaux et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme les têtes de lions, eux, de leur bouche, ils sortaient du feu, de la fumée et du soufre. Les tiers des hommes furent tués par ces trois fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche, car les pouvoirs des chevaux étaient dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elle qu'il faisait du mal. Vous pouvez continuer jusqu'au 23. Nous avons lu ici, comme Jean nous le dit ici, le saint prophète nous a dit que ces 2 myriades, cela veut dire 200 000 démons, des mauvais esprits qui étaient freinés là-bas à l'entrée d'Éden pour ne pas entrer en Éden. Dans le grand fleuve de Frata là-bas, ils étaient tous liés là-bas et on les a déliés. Cette parole est prophétique. Si vous pouvez lire ça littéralement, vous n'allez rien comprendre. Et quand on les a déliés, qu'est-ce qu'ils sont entrés? Vous comprenez? C'était quand? C'était l'Israël qui était éparpillé partout dans le monde parce qu'ils ont frappé leurs bergers. Vous comprenez? Quand ils ont régné leurs bergers, les bergers étaient frappés. Vous comprenez? Et quand on a frappé les bergers à la croix, nous avons remarqué que non, il y avait une lance romaine qui a frappé dans la côte. Dans le côte de quoi? Du berger et son épouse qui était à l'intérieur de lui, comme l'épouse Ève qui était à l'intérieur d'Adam dans le commencement de Genèse chapitre 1. Et l'Éternel, le Dieu créateur, a fait sortir Ève à Adam dans Genèse chapitre 2. Vous comprenez? Et le second Adam, Christ, lui aussi, l'autre qui était chuté par la malinterprétation des Écritures, la marque de la bête a pris place. Et nous avons vu que le second Adam est devenu, lui aussi, il était retranché pour l'expiation du péché. Alors l'Israël a manqué de recevoir son expiation. Alors notre expiation, nous les gens des nations, n'était pas accomplie à ce temps-là. Parce que nous devons entendre la manifestation du prémices pour notre temps ici. Parce que ce qui était là-bas, c'était des semences qui étaient tombées en terre et l'Église est entrée dans l'âge sombre. Il y avait l'obscurité. Vous comprenez? Nous avons pu lire ça dans Apocalypse chapitre 2 jusqu'au chapitre 3. Et nous avons vu que non, le septième âge de l'Odyssée, dans ce temps-là de l'église de l'Odyssée, chapitre 3, verset 14, 21, même jusqu'au 23, c'était le temps à laquelle que l'église devait rester avec Christ, avec la parole. Mais les réveils pentecôtistes, les gens, ils ont abandonné la Bible, ils ont resté avec les dons, les miracles, les prodiges, et ils ont abandonné les donateurs lui-même. Vous comprenez l'état actuel de l'église. Et cela a fait en sorte que non, parce que quand un réveil, les réveils ne durent que pendant 3 ans. Si cela ne produit pas les prémices des moissons, les fils nés, vous comprenez, si cela ne produit pas la nouvelle naissance afin que les gens puissent recevoir le baptême du Saint-Esprit, cette église tombe. Vous comprenez? Tombe complètement, ça ne va plus se relever. Parce que la seule chose qui relève l'église, que l'église puisse rester là-bas, dans la présence de Dieu, c'est quoi? C'est quand l'Église reste avec la parole pour recevoir la révélation de cette parole-là. Et nous avons vu que les pentecôtistes, à ce moment-là, ils ont fait la compromis avec la parole. Ils ont resté avec ce qui est temporel au lieu de ce qui est éternel. Et dans cet âge-là, c'était aux États-Unis quand le réveil a commencé là-bas. Et cela s'est répandu partout dans le monde comme ça. Ouais. Et mais l'épouse était restée avec la parole. Et maintenant, quand nous avons vu que non, l'Israël qui était éparpillé partout dans le monde, parce que nous parlons en même temps de l'Église et de l'Israël, le deux. Ouais. Et nous avons compris que eux qui étaient éparpillés partout dans le monde,
Les 200 milliards, ce sont ces démons ici qui se sont entrés avec des dictateurs de ce monde ici. Je regrette quand on fait allusion toujours aux dictateurs africains, mais les vrais dictateurs, ce sont eux. Nous avons vu Mussolini qui s'est élevé de l'Italie, et Hitler de l'Allemagne, et nous avons vu l'autre là qui est Staline. Et tous, ils se sont levés, ce sont eux, donc ça veut dire Hitler et Mussolini, ce sont ces grands mauvais esprits qui ont envoyé leurs armées. Vous voyez, ils ont dit que nous, ils étaient des chevaliers. Des chevaliers, ça veut dire les chevaliers, c'est une puissance. Quand on parle de cavaliers, les cavaliers, c'est quelqu'un qui se tient au-dessus du cheval avec des armures et ainsi de suite. Ouais. Alors, nous avons vu que non, ce sont deux. Ce sont des langages de la Bible, vous voyez. Donc, ils ont commencé à persécuter les Juifs et ils les ont tués parce que la Bible dit que leurs pieds étaient comme la tête de serpent. Ouais. Donc, ils les frappaient et jusqu'à tel point qu'ils seraient. Parce que s'ils étaient restés là-bas, ils étaient bien accueillis. Ils étaient des savants, ils faisaient beaucoup de choses, ainsi de suite. Mais ces démons-là, Mussolini, Hitler, ils les ont persécutés. On les brûlait, on brûlait des femmes, des petits-enfants. Frère Branham, il est parti là-bas, là où il a vu que non, on les brûlait, on prenait leurs cendres, on mettait ça, que ça puisse devenir... On a mélangé ça avec la terre, que ça puisse comme être comme du fumier pour mieux mûrir de plantes. Pour leur donner de la nourriture. C'était quoi? C'était des gifs, les cendres des corps des gifs. Dieu a permis cela. Pourquoi? Parce que, remarquez, quand Dieu appelle, il y a toujours des fléaux pour que l'homme, c'est par les épreuves que l'homme reconnaisse ce qu'il est. Il vient vers son sauveur. Vous comprenez? C'est ce que Dieu a fait. Et l'Israël est retourné dans sa patrie. Quand du sixième trompette au septième trompette, leur septième trompette, c'est maintenant quand ils devaient reconnaître les Messies. C'est ce que je répète toujours ici, Romains chapitre 11. Vous comprenez, Zacharie 14, Zacharie chapitre 12, chapitre 13. Et quand l'Israël retourne pour reconnaître leur Messie là-bas, attendre leur septième trompette pour sonner, où les deux oliviers d'Apocalypse chapitre 11 devaient venir pour leur prêcher les messies qu'ils ont réunis là-bas, et en lui demandant d'où viennent tous ces plaies, parce qu'ils vont voir Jésus avec ces plaies comme ça. Nous ne pouvons pas le voir avec ce corps-là. Mais eux, parce qu'ici, il a changé de corps. Vous voyez? Parce qu'il se manifeste aux gens des nations, ils devaient accomplir l'écriture d'Hébreu chapitre 1. À plusieurs manières, de plusieurs reprises, l'Éternel parlait à nos pères par les prophètes. Et dans les derniers jours, il parle dans son Fils. Le Fils a tout pris du Père par l'adoption dans la montagne de transfiguration. Là où nous venons de parler, que non, Pierre disait à Jésus que non, Seigneur, nous pouvons faire les trois tentes ici, et l'autre pour toi, l'autre pour Moïse, l'autre pour Élie. Il a bien vu la vision. Dieu lui a ouvert les yeux, mais il a parlé comme les églises. Les gens des églises, ils aiment toujours construire quelque chose. Mais la voix dit non, celui c'est mon fils bien-aimé. Écoutez-le et recevez la parole comme Jésus a dit dans Matthieu 5, 24. Celui qui écoute ma parole, qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Il n'est pas surpris à la mort, donc il ne meurt plus au fait, si je peux dire, il est passé de la vie à la mort. Vous comprenez? C'est lui qui écoute quoi? Qui voit les miracles et ainsi de suite manifester cela? Non. Qui écoute ma parole? Est-ce que vous comprenez? Et nous avons vu que... Je suis en train de chuter, je vais terminer. Accordez-moi simplement un peu de temps ici. Nous avons beaucoup déjà pris votre temps. Le temps est tellement apprécié, vous voyez. Alors, nous avons compris que quand la sixième trompette a sonné, le fléau a frappé l'Israël partout dans le monde, là où il s'est retrouvé en Argentine, partout on les a persécutés et ils ont rentré chez eux en Israël pour attendre. Et maintenant, leur septième trompette qui sonne avec les deux oliviers, le même esprit d'Élie qui va revenir encore pour la cinquième fois et Moïse pour leur prêcher la parole comme ils étaient apparus avec Jésus dans la montagne de Transfiguration. C'était une mission préparée pour ces temps-là. Vous comprenez cela? Et venez comme des témoins. Ouais, c'est pourquoi la Bible dit les deux oliviers, les deux témoins. Vous comprenez. Et nous avons vu que non, quand cela s'est passé,
De notre côté ici, le septième sceau devait aussi s'ouvrir. Et nous avons vu que le Messie Christ est descendu pour se personnifier Messie dans un corps. Parce qu'au fait, la trompette, selon sa définition, si vous remarquez ici, comme nous avons dit, les trompettes que nous parlons, c'est un appel à se rassembler pour une guerre, une fête, pour une personne. Je dis bien une personne. Attention quand on dit une personne. Vous comprenez? Pour un jour sacré ou quelque chose comme ça, pour l'année des jubilés. L'annonce de la liberté prochaine. Un moment pour s'en retourner. Parce que l'Église, au fait, donc ça veut dire ici, on a lu là-bas le livre d'Exode. L'Église veut dire, ça veut dire l'Exode, ça veut dire quitter pour aller. Les aller, donc les appeler pour sortir. C'est pourquoi Hébreu, Paul dit, nous dit là-bas, dans Hébreu chapitre 6, même dans 2 Timothée, quitter au milieu des. Hébreu chapitre 6. Au milieu de qui? Des fanfarons, des gens, des cupides, tous ces prophétiseurs et tous ces gens-là. Le Seigneur dit quitter au milieu des pour aller où? À la parole. Vers Christ. Là où ce livre de la rédemption nous est présenté. Pourquoi? Parce que Apocalypse chapitre 10, maintenant là, nous avons compris que non. Avant que Christ puisse descendre, l'ange là a sonné de sa trompette. Et le mystère de Dieu, dont Christ est descendu avec ça ici, sur la terre, dans son ange, comme l'ange disait aux disciples, Jésus que vous voyez monter au ciel, il est devenu nuée, il viendra de cette même manière. Il est apparu au ciel d'Arizona et beaucoup de gens l'ont vu. Et les scientifiques américains ont pris des photos. Ils ont gardé ça dans le réserve. Comprendre tous les événements qui se passent en Amérique depuis des temps anciens jusqu'aujourd'hui. Vous pouvez aller là-bas, demander, on vous dira ce qui s'est passé. Vous comprenez? Et Christ s'est montré dans la constellation. Et quand il s'est montré dans la constellation, il ne s'est pas arrêté là-bas. Vous comprenez? Parce qu'il avait eu un temple qui n'a pas été fait des mains d'hommes. Son prophète, il est venu entrer dans son prophète. C'est ce qu'il désire. À nous tous, il se tient là-bas. Apocalypse chapitre 3, verset 22, verset 23. Il frappe à la porte. C'est lui qui ouvre, l'ouvre. Et qui écoute, il ouvre, qu'il puisse entrer, communier avec lui, manger, souper avec lui. Vous comprenez? Voilà. Et quand le septième ange a sonné de sa trompette, nous avons vu que non. Donc ça veut dire, cette trompette sonne en même temps pour le juif et pour nous. Vous comprenez? Et c'était les trompettes, parce que toutes les sept ont sonné au même moment. Mais quant à nous, c'était l'ouverture de sept sceaux. Vous comprenez cela? C'était le septième sceau qui devait ouvrir tout ce qui était scellé dans la Bible. Ce n'est pas quelque chose d'autre. C'est la parole de Dieu qui parlait toujours en parabole. En parabole. Et maintenant, dans ces temps ici, il est descendu lui-même, qui a pris du Père, comme il parlait dans Jean 14, pour nous révéler cela. Et nous avons vu que quand il est descendu là-bas, il est descendu dans son temple, mais le temple qui était là-bas, l'ange, il devait d'abord sonner de la trompette parce que le mystère de Dieu devait être révélé que par son serviteur, les prophètes. Lisez Apocalypse chapitre 10, verset 1 jusqu'au verset 7. Vous allez voir ce que je suis en train de dire ici. Et quand cet ange ici a sonné de sa trompette, en tout cas, vraiment, il y a beaucoup de versets que je n'ai pas lus. Il fallait que je puisse lire Romains chapitre 11, voir comment est-ce que l'Israël devait être sauvé et retourné avec Christ. Mais je vais peut-être lire ça et puis clôturer. Laisse-moi lire ici. On lit ici. Quand cette trompette a sonné, qu'est-ce qui s'est passé? Vous comprenez cela? Nous lisons. Nous ne voulons pas. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont pas l'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort, qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons, d'après la parole du Seigneur.
nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur. Quel est cet avènement? De l'Apocalypse chapitre 10. Comme Paul disait à nous dans Éphésiens chapitre Éphésiens chapitre Éphésiens chapitre 4 verset 30. Si je n'oublie pas, ou 6 temps, non, c'est pas 6, 4 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui vous a été donné jusqu'au jour de votre rédemption. C'est ça, le jour de la rédemption. C'était ce jour ici. Lisons. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, Apocalypse chapitre 10, 1 à 7, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange, voilà, et au son de la trompette, une trompette, de l'Apocalypse chapitre 10, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Voilà, Apocalypse chapitre 17. Jésus a quitté le trône d'intercession. Le fumée est resté là-bas, le jugement. Voilà la raison pour laquelle l'Église va passer dans la tribulation. L'Église passera dans le jugement, comme tout autre monde. Pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté l'ainsi dit, ils sont restés dans ce qui est fable. Mais l'épouse du Christ ne passera pas par le jugement. C'est le type de noc. Vous comprenez cela? Il sera pris. Comme ceux qui sont morts en Christ, ils sont pris. Frère Banham, avant de retourner à la maison, il a vu ça. Il était ravi au ciel. Il a traversé le fleuve de veuve. Vous comprenez cela? Ouais. Donc, lisons pour terminer. La trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ résisteront premièrement. Et vous allez dire que les gens qui sont morts, Bazakuna Nangunda. Je ne sais pas. Si autant de Jésus, quand il cria à la croix, Matthieu chapitre 27, commencez au verset 50 jusqu'en haut là, vous allez voir que non, les sépulcres s'ouvrirent d'Adam jusqu'à Jean-Baptiste et Babima. Avant même que Jésus a quitté la siagne, vous comprenez cela? Oui. Et c'est la trompette que eux tous attendaient depuis Éphèse jusqu'à la Odyssée. Vous comprenez, c'est cette trompette ici. C'est là où que l'Église des nations ont eu leur expiation. Vous comprenez? Parce que quand il était venu là-bas, il a été rejeté. Et pendant les âges, nous avons vu que non, il a été toujours hors de l'Église. L'Église a été prise par l'emprise romaine. Vous comprenez cela? Et l'Église a été manipulée par la Rome païenne, de la Rome papale. Vous comprenez? Jusqu'à tel point que cela a formé une Église universelle dont nous appelons catholique, la mère de toutes les églises qui sont sur la terre. L'Apocalypse le parle là-bas. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, qu'est-ce que l'Église attendait? Qu'est-ce que le monde attendait, comme Paul a dit? La manifestation de tous les temps, c'est le temps dans lequel nous vivons. Le temps de la restauration. Quand l'ange est venu sonner la trompette, Christ est descendu. Voilà l'accomplissement de l'Apocalypse de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ résisteront premièrement. Voilà. C'est que nous lisons de l'autre côté là-bas. Je ne voulais pas retourner là-bas. Les saints là qui criaient, Seigneur, Seigneur, jusqu'à quand? Et jusqu'à ce que c'était quand cet accomplissement ici. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés. Vous êtes déjà enlevés? C'est pourquoi Paul le dit. Frère Banham dit que non. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Éphésiens chapitre 1, verset 3, que j'ai dit au commencement de notre leçon ici. Quoi? Là où il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Quand nous nous rassemblons ici, des fils, des prophètes, parce que la parole que nous lisons, nous écoutons, nous prions, à se basant des épîtres, c'est la parole prophétique que nous retrouvons dans les lieux célestes. Éphésiens 1, chapitre 3, parce que nous sommes enlevés.
Cette parole dont nous prophétisons, ça vient du ciel. Et nous vivons dans les atmosphères célestes. Nous n'avons rien à attendre d'ici. Une bombe nucléaire peut descendre là où vous êtes, aux États-Unis, en Europe, en Afrique. Avant que cette bombe puisse arriver là où vous êtes, une lumière, vous comprenez, va vous dérober, va faire comme un cercle tout autour de vous. Vous comprenez cela? Et les gens pouvaient avoir, le frère Jean était en train de traiter une malade comme ça. Il était là dans la salle de consultation. Il voit simplement une lumière. Les gens voient une lumière qu'il encercle comme ça. Et après, peut-être vous pouvez être dans un immeuble de 10 niveaux. Vous étiez au 4e niveau. Mais cette lumière va percer jusque là où vous êtes. Et vous prendre. C'est ce que la Bible le dit ici. Pourquoi? Parce que vous avez entendu la voix de l'archange, le son de la trompette, les cris de commandement de ce 7e ange qui est venu faire sortir l'Église en même temps que les trompettes sonnaient pour l'Israël les quitter là où ils étaient parpillés partout dans le monde pour retourner chez eux, attendre leur 7e trompette pour que Élie et Élisée et Moïse viennent les montrer Christ. Lisons ici pour terminer. Non, laisse-moi lire. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées. Oyoki? Sur les nuées. Tilelo lipatana yo mona yangote. Lipatana nkembo. À la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres. Voilà l'Apocalypse chapitre 10 dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, 16, 17. Voilà. Dans Romains 11 ici, vous pouvez lire ici, en commençant au verset 13, là où Paul il dit que non. Je vous le dis en vous, païens, en tant qu'apôtre des païens, je glorifie mon ministère afin qu'il est possible... Ouais, je glorifie mon ministère. Vous allez m'excuser. Ça, c'est 13, 14. Enfin, qu'il est possible d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Là, il parle de ceux de ma race, car la race juive. Alors qu'il a changé. Il était devenu l'apôtre des païens. Lisez ça en commençant au verset 13, Romains 11. Mais moi, je lis simplement verset 26. Et vous allez terminer jusqu'à 36. Ici, là où je lis, lisons pour l'Israël. Et ainsi tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit. Le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Et qui ont régné Christ. Ils ont rejeté leur Messie. Dieu les a aveuglés pour que nous puissions recevoir cette grâce. Lisez ce que je vous dis là-bas. Vous allez voir. 27. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque je tairai leur péché. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous qui, là, Paul parlait aux païens, nous, notre apôtre, notre prophète qui a mis la semence là-bas, qui s'est manifesté à la fin, le 7e ange, Julien Branham est venu, il a sonné de la trompette l'évangile de Malachie 4, ramener la foi de peur. 5 à 6, Malachie 4. Ramener la foi de père vers les fils, les enfants, et prendre ce que les enfants vont recevoir par l'ouverture des seaux, vous comprenez, et ramener ça vers les pères. Ils puissent reconnaître Christ qu'ils ont rejeté de la manière qu'il est revenu. Vous comprenez qu'ils puissent devenir des nioués, voilà, comme l'épouse de Christ, vous êtes des nioués. Voilà. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque je tairai leurs péchés. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur père. Alléluia. 29, car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. 30, de même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance, voilà, leur désobéissance en rejetant Christ, vous avez maintenant obtenu miséricorde. Qui? Nous. 31. De même, ils ont maintenant désobéi, afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obéissent aussi
miséricorde. Qui ont désobéi maintenant? Les gens qui ont rejeté l'insidie, l'éternel du temps. Si vous comprenez, les gens des églises l'ont fait, ils ont rejeté Christ de nouveau, comme l'Israël l'a rejeté à la croix, les gens l'ont rejeté. Vous comprenez, ils ont crucifié Christ pour la seconde fois. Avançons. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Ne suivez pas ces gens-là, ils ont été des prédestinés déjà en avance qu'ils seront égarés. Vous comprenez? Mais pas vous. Nous sommes là pour appeler à tout et chacun de vous, fils, filles de Dieu, retournez là où vous étiez. Cet exode, c'est pour vous appeler l'Église, c'est les appeler à sortir. Allez où? À sa rencontre. Oh, 33. Voilà. Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ces jugements sont inondables. Et ces voies incompréhensibles, car qui a connu les pensées du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Alléluia. Qui lui a donné les premières pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui, pour lui, que sont toutes choses, à lui la gloire, dans tous les siècles. Amen. Nous terminons là-bas, dans Romains chapitre 11. Nous avons pris beaucoup de temps, il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas vraiment parlé. On a essayé un peu de parler un peu plus vite, parce qu'on pouvait d'abord commencer à l'introduction, donner les lumières, et puis développer, puis pour conclure. Que les riches bénédictions de Dieu soient avec vous. Comprenez la marche de Saintes Écritures comme le Seigneur l'en a annoncé depuis des temps anciens. Comment est-ce qu'ils traitaient avec eux? Ils ont rejeté et la Pentecôte a commencé. Nous avons vu cette semaine, les sept sabbats, les sept âges. Et à la fin de cet âge, Christ est descendu. Vous comprenez, nous avons vu que ce ministère éparpillé partout dans le monde. Le diable est venu, il est entré dans l'église comme il a fait dans les jardins d'Éden, entra dans l'église qui est Ève, parce que la femme dans la Bible représente l'église. Mais la femme de l'agneau qui était sortie à la croix n'a pas fait la compromis avec la parole. Vous comprenez? Il a honoré et Christ est descendu, accompli l'écriture de l'homme qui quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux devenant une seule chair. C'est pourquoi on parle de Elohim. Des retours encore, comme il donnait l'exemple de Luc 17. Le jour où le fils de l'homme paraîtra, ce sera comme au temps de Sodome. Elohim était venu au devant d'Abraham. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a discerné les pensées. Elohim est venu là, en Galilée. Elohim est venu vers ce soir, vers nous, les gens des nations. En Galilée, on l'a rejeté. Il a passé tout ce temps sombre. On l'a combattu, il était à l'extérieur, mais dans son épouse, l'épouse ne lui apparaissait. Retournons là-bas. Comprenez toutes les dénominations dont nous avons, ce n'est que là pour nous garder dans des cercles, dans des murs. Mais sortez au milieu des spirituellement, dans ta connaissance, fais tes recherches personnelles, parce qu'aucune église va vous sauver. Vous comprenez cela? Le salut est individuel, chaque individu avec Jésus-Christ, son Seigneur et Sauveur. Vous comprenez? Chaque épouse avec son époux. Le secret de la chambre du roi, c'est individuel. Quand vous entrez là-bas, ce qui va passer entre l'homme et la femme, personne ne peut aller la rencontrer. Voilà. Quand vous rencontrez, c'est là, c'est charnel. Mais spirituellement, c'est pratiquement impossible parce que c'est le socle de l'âme. Vous comprenez? Que Dieu vous bénisse richement. Restez dans la paix du Seigneur. Bon dimanche chez vous. Nous avons pris vraiment beaucoup de temps. Je m'excuse. I'm sorry.